after, girl. So won't you come along? J'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog qui va être un vlog un petit peu spécial parce qu'aujourd'hui du coup c'est férié, on est le jeudi 10, c'est ça 10. On va pas faire grand chose, mon mari travaille jusqu'à 13h donc bon, en plus le temps il n'est pas extraordinaire. Vous avez vu ça dans le vlog d'hier soir, c'est une catastrophe. Du coup ce matin je vous ai embarqué avec moi vite fait pour mon petit make-up du jour. Et puis voilà, du coup il va rien avoir de spécial à vlogger. Tout à l'heure quand je rentrerai, je vais me poser un petit peu avant que mon mari rentre pour vous faire voir, parce que beaucoup m'ont demandé comment fonctionne l'application Weight Watcher. Donc je vais vous parler en détail de l'application, comment ça fonctionne, voilà, comment ça fonctionne Weight Watcher tout simplement. Donc là on file faire de courses, Allison va aller au travail avec papa le temps que je fasse les courses parce que voilà, Charlie avait déjà fait ce petit truc avec papa et elle aussi elle voulait le faire. Donc du coup là je la dépose à papa pendant que je vais faire les courses vu que c'est juste en face. Et puis on rentre et je vous fais tout ça sur Weight Watcher. Voilà, tout à l'heure. J'en profite d'être rentrée pour vous montrer ça, pardon, parce que vous avez pas fait voir. On vous avait fait voir l'emballage, mais pas fonctionnel, on va dire. Et c'est le parcours de billes que Myron s'était pris, vous savez, pour Pâques. Donc regardez, c'est trop kiffant, c'est trop rigolo. Et toi, tu joues avec. C'est pour ça que j'en ai profité, parce que j'avais complètement oublié. Franchement c'est génial, j'avais payé ça une misère, je crois même pas 12 euros sur Amazon. Je vous mets tout de toute façon en barre d'infos, vous savez, hein, quand je vous présente un truc comme ça. Et ben il dit c'est le kiff. Tu te régales mon chat. Tourne les billes, tourne les billes, tourne les billes. Vous chantiez quoi là? Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, vois comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues. Pourquoi tu fais cette tête? T'étais en train de chanter il y a 2 secondes. T'es une chipie. Moi j'en profite de passer à table pour vous faire un petit point parce qu'il y en a beaucoup qui m'avaient demandé de faire voir mes repas, de faire une vidéo une semaine dans mon assiette. Et je vous avoue que c'est assez compliqué pour moi de faire ça parce que des fois je zappe, je suis tellement en speed que je zappe complètement en fait de vous soit photographier le plat, vous dire ce qu'il y a à l'intérieur, combien de points ça prend, etc. Donc en fait ce que je fais maintenant c'est que je mets des photos sur Instagram et que je détaille ce qu'il y a à l'intérieur.
de chaque plage, de chaque truc que je fais. Donc celles qui voulaient suivre ça, j'espère que vous avez Instagram. Et dans ce cas, si vous l'avez, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Je vous le remets juste ici. Comme ça au moins je peux partager avec vous mes repas et on peut blablater with Witcher plus simplement que sur la chaîne. Voilà, je voulais faire cette petite aparté. Du coup maintenant je mange parce que j'ai trop faim. Donc du coup on se retrouve pour parler un petit peu Wet Watcher. Beaucoup m'ont demandé un petit peu voilà, de leur expliquer qu'est-ce que c'était le principe de Wet Watcher, comment ça fonctionnait au niveau des points, etc. Comment fonctionnait l'appli. Il faut savoir que moi j'ai déjà eu fait Wet Watcher. C'était le premier rééquilibrage alimentaire. Je vais pas dire régime parce que j'aime pas trop ce terme là, parce que les régimes c'est quelque chose d'assez draconien, j'ai envie de dire, et franchement Weight Watcher c'est pas du tout draconien. Je vous remettrai là-haut, de toute façon j'avais fait une vidéo, mon combat contre le poids, je vous la remets là-haut, comme ça vous pourrez voir aussi mon parcours, etc. De où je suis partie, où je suis arrivée et tout. J'avais fait ensuite le secret du poids, et je vous avoue que même si ça me fait chier, je vous l'avoue, là je paye 17 euros par mois, même si ça me fait chier de payer, je trouve que le secret du poids, c'est quand même plus complet. Ils prennent en considération, pardon, voilà, les activités que vous faites, que ce soit sportif, si vous faites de la marche, si vous faites du sport, si vous faites ci, si vous faites là. Vous rentrez tout et ça vous comptabilise le nombre de points supplémentaires que ça vous donne à votre journée ou autre. Je trouve que c'est vraiment plus complet. Vous avez le Connect, vous avez, comment ça s'appelle, le scanner des codes barres. Et alors ça, c'est la vie, franchement ça. C'est juste génial, vous savez pas combien fait un aliment, vous prenez, vous scannez le code barre, paf, ça vous dit pour tant de grammes, ça vous fait tant de points. C'est magique ce truc, je trouve ça hyper pratique. Bref, du coup maintenant, qu'est-ce que c'est que Weight Watcher? Je vais mettre le vibreur parce que sinon, on va pas s'en sortir. Voilà, voilà, petit vibreur activé. Ben, en fait, c'est tout simplement une application et un programme qui va vous apprendre à manger correctement. Je veux dire par là que vous allez voir qu'il y a des aliments qui font 3 tonnes de points et maintenant il y a des aliments qui sont à zéro. Donc tout ce qui est fruits, légumineux, je crois que c'est comme ça que ça se dit, tout ce qui est poisson, tout ce qui est genre escalope de dinde, escalope de poulet, les tranches, vous savez, de jambon, de blanc de dinde et de blanc de poulet, ça c'est zéro. Les œufs, c'est zéro. Voilà, poisson, après j'ai plus trop tout en tête, mais vous avez tout qui est répertorié de toute façon dans l'application. Et en fait, c'est des aliments qui sont sains pour notre santé. Évidemment, on ne va pas en manger 3 escalopes de dinde parce que c'est à zéro. Vous voyez ce que je veux dire? Pour faire quand même l'équilibre des choses, pour faire la balance entre manger trop parce que c'est à zéro et quand même manger à satiété. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à faire. D'ailleurs, Jenny, elle en parlait sur une de ses vidéos. Non, sur une de ses snaps, pardon. Pas une vidéo, sur un de ses snaps. Elle parlait de tout ça et que c'est vrai que des fois, on a tendance à se dire, bon, bah c'est zéro, alors je peux en mettre davantage. Mais non, en fait, c'est pas ça le truc. Il faut, voilà, il faut manger que ce soit quand même équilibré. Il faut pas que ça nous gave l'estomac non plus à exploser et se dire, oh, j'en peux plus. Voilà, il faut essayer d'écouter son corps et de savoir quand c'est notre barrière, quand c'est le stop, quand on sent que notre estomac, voilà, il est bien rempli. Genre hier soir, j'avais pris de la poêlée asiatique que j'avais fait dans un des vlogs que je vous avais mis la recette. Il en restait. Donc je me suis dit, je vais en mettre la moitié moins de ce que j'avais mangé la dernière fois. Je savais que ma grosse assiette que j'avais eue, elle me faisait 8 points. Là, je me suis dit, je vais en mettre la moitié moins. Ça me fera que 4 points. Ben, j'ai pas réussi à le finir. Hier soir, voilà, j'étais gavée, j'ai pas réussi à le finir. Donc j'ai laissé. Je me suis dit, je vais pas me gaver à me dire, de toute façon, ça rentre dans mes points. Non, je sens que mon corps, il en a plus besoin, donc j'arrête. Franchement, j'étais super fière de moi parce que ça, c'est quelque chose qui est très difficile à faire, pardon. Donc voilà, ça, c'est une chose à savoir aussi, c'est qu'il faut savoir écouter votre corps. C'est pas parce que les aliments vont être à zéro sur Weight Watcher qu'il va falloir s'en gaver. Sinon, la perte de poids, je pense que elle arrivera pas de la même façon. Et donc c'est vrai que voilà, je trouve vraiment que ces aliments à zéro là, franchement c'est génial parce que ça vous apprend à manger les bonnes choses en fait, tout simplement. Si vous prenez votre repas que vous faites d'habitude sans avoir attaqué Weight Watcher, que vous prenez tous les aliments, etc., que vous avez mangé dans la journée et que vous calculez vos points, vous allez voir à quel point, waouh, genre les barres de céréales, les machins et tout. Là il y a un truc, moi j'adorais ça, du coup là j'en mange toujours, mais voilà, je me dis que si je mange ça le matin, je vais manger plus léger le midi. On essaie de varier et d'équilibrer les choses en fait. Du coup, moi je prenais les galettes, les Björg, vous savez, au miel. Les galettes au miel, c'est un truc assez rond comme ça, super plat. C'est au miel, c'est hyper bon, ça me fait penser au gâteau marocain là, mais je sais plus comment il s'appelle, avec
qui font des zigzags dans tous les sens et dessus il y a des graines de sésame, je sais plus le nom. Bref, ça a le même goût et c'est juste trop bon. Et en fait, quand je les ai scannés, je me suis dit ça doit pas prendre beaucoup de points. Et quand je les ai scannés, une galette, alors que moi j'en prends deux le matin quand j'en mange, c'était 6 points. Donc en fait, je prends deux galettes, ça me fait déjà 12 points sur mes 23 points que j'ai droit pour la journée. Parce qu'après, ça c'est pareil, le nombre de points varie selon votre âge, votre poids, ce que vous avez à perdre, votre activité physique, etc. En fait, ils calculent tout. Weight Watcher. Ah, le bruit s'est fermé. Donc on va être un peu tout noir. Donc en fait, Weight Watcher vous calcule le nombre de points que vous avez droit. Donc vous avez une réserve normale pour vos points de la journée et une réserve hebdomadaire. Mais bon, tout ça, je vous le ferai voir quand je vais vous faire voir le... l'application. Moi, je suis à 23 points et c'est le minimum, je crois, qu'on peut avoir. Après, pour qu'une journée soit réussie, il faut manger entre 13 et 23 points. Voilà. Après, les points que vous ne mangez pas, si vous les avez pas, que voilà, vous avez plus faim, que vous avez mangé des trucs qui ne prennent pas tous les points, et ben, ça se cumule sur votre réserve hebdomadaire. Donc ça, c'est bien parce que quand vous faites un cheat meal de la semaine, ben, au moins vous savez que vous avez cette réserve de points en plus de vos points journaliers qui peuvent être un petit peu, comment dire, pétés. Voilà. Donc je pense qu'on va passer maintenant à l'application. Je vais vous faire voir comment ça fonctionne, etc. Donc on se retrouve tout de suite. Donc l'application, voilà comment ça se présente. Bon, moi là j'ai rentré aujourd'hui déjà tous mes points de la journée. Donc sur la journée il me restera 2 points. Mais voilà, je n'ai pas besoin de plus, donc voilà, ça ne sert à rien de les faire péter pour rien. Donc là, vous avez la réserve Smart Point hebdomadaire. Donc à la base, elle est à 35, il me semble, quand elle se remet à zéro, parce qu'en fait, vous avez à rentrer dedans votre jour de pesée, et du coup, ça se remet à zéro à chaque fois au niveau de la réserve hebdomadaire. Je crois que c'est 35 ou 38, je ne sais plus. Mais en tout cas... Vous voyez que là, moi, elle est à 47 parce que il y a des jours où j'ai pas mangé ben, tous mes points et du coup, ça s'est cumulé à l'intérieur. Là, ça vous dit ce que vous avez utilisé aujourd'hui. Là, c'est à la base sur 23 points, mais moi, vu que j'ai déjà tout rentré, il me reste 2 points sur la journée. Si vous allez sur les autres trucs, vous avez ce que vous avez mangé les autres jours en fait. Vous voyez ? Là, ma journée du 7, elle est encore écrite. Ma journée du 8, elle est encore écrite. Ma journée du 9, elle est encore écrite. Et ça, c'est bien parce qu'au moins, vous voyez un petit peu que vous, si vous pouvez varier ou pas. Je trouve ça génial, moi. Là-haut, vous avez le scanner que je vous disais. Donc, vous allez là-dessus. Hop. Salut tout le monde. Et vous scannez votre code barre et hop, c'est nickel. Si à tout hasard, quand vous le scannez, moi ça m'est jamais arrivé, hein, mais si à tout hasard vous le scannez et que ça vous dit qu'il ne trouve pas de produit parce que personne ne l'a rentré, eh ben, vous rentrez vous-même le produit manuellement, ça vous le demande en dessous. Vous rentrez une fois voilà, les quantités de lipides, etc. Et voilà, tout de suite, vous pouvez, après ça s'enregistre et vous n'avez plus besoin de retaper tout à chaque fois. Hein. On retourne ici ensuite. Donc ici, vous avez votre journée. En dessous, vous avez votre parcours. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez rentrer vos poids, etc. Ça vous donne votre progression sur une courbe et tout. Là en bas, vous avez le connect. Ça, c'est génial. C'est en fait toutes les personnes qui sont inscrites sur Weight Watcher. Il y en a qui partagent des recettes. Il y en a qui font voir leurs photos avant, après. Franchement, ça motive un truc de fou. Bref, vous pouvez vraiment partager tout et rien. Regardez, là, vous avez un avant et un après. Génial, franchement. Ça motive un truc de fou. Voilà. Bref, sur le connect, vous pouvez discuter avec des personnes qui sont dans le même cas que vous et franchement, ça vous aide vraiment à garder la motivation, je trouve. Après, là, vous avez votre profil où vous rentrez, voilà, vos trucs et tout. Hop. Et je pense qu'on a... après, voilà, vous avez ici activité. J'ai oublié. J'allais dire qu'on a fait le tour, mais non. Vous avez les activités. Donc, ici, vous rentrez, ben, hop. Par exemple, marche, on va dire. Marche. Voilà, là vous avez de la marche, il vous demande la durée, l'intensité, machin, quand est-ce que c'est fait, et ça vous donne au total le point que ça vous déduit, que ça vous rajoute dans votre réserve hebdomadaire par exemple, ou le jour même, vous savez que vous mangez tant de points en plus parce que ben, vous avez fait un petit peu de sport. Après, il faut savoir que dans les recherches, par exemple, si vous marquez courgettes, admettons, voilà, donc là vous avez pain de courgettes, ça c'est les machins que j'ai déjà mangé. Et quand vous descendez en fait, vous avez quelques, comment dire, quelques recettes. Donc par exemple la gratin de courgettes à la cancoyotte ou tarte à la courgette. Ça vous donne le nombre de points et quand vous cliquez dessus, bah, en fait vous avez la préparation, la cuisson, pour combien de parsets, etc. Ça vous dit tout ce qu'il faut que vous mettiez à l'intérieur et ça vous fait des recettes. Donc voilà, dès que vous tapez côte de porc ou j'en sais rien, ou escalope ou quoi, ça vous donne aussi des recettes. Quand vous descendez, vous avez quelques recettes
sur le bas. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on a vraiment fait le tour de l'application. Voilà, après franchement, il n'y a rien de plus simple. McDo, je sais pas si ça c'est dessus. La meuf, elle va regarder McDonald's. Big Mac, est-ce que c'est trouvé dessus? Ah ouais. Oh mon Dieu. Le Big Mac, je le marque parce que c'est ce que je prends tout le temps d'habitude quand on va à McDo. Et le Big Mac, le sandwich, fait 16 points. 16 points, juste le sandwich, sans les frites ni walou. Oh, mon Dieu, un truc de fou. 16 points. J'en reviens pas. Bon, je viens de me faire peur toute seule. Bref, vous avez aussi des trucs de McDonald's dedans. Bref, je vais clôturer ce petit vlog parce que je sens que sinon je ne vais jamais arrêter de parler à ce sujet-là. Du coup, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures parce que demain, on est vendredi. Oui, je me croyais dimanche. Non, c'est dit. Demain, on est que vendredi. Donc, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures et je vous embrasse très très fort. Ciao.